Jimmy McCants est un américain de 50 ans. Cette belle journée, il assiste à la remise des diplômes du lycée de son plus jeune fils. Cela aurait dû être l'un des plus beaux jours de sa vie. Tout d'un coup, la femme de Jimmy remarque que celui-ci a son visage et ses yeux qui sont devenus subitement jaunes. Quelques heures plus tard, une fois à l'hôpital, Jimmy apprend qu'il souffre d'une hépatite toxique, aiguë, et que la seule solution consiste à lui greffer à nouveau foie. En fait, le père de Jimmy a eu une crise cardiaque à l'âge de 59 ans et il n'a pas survécu. Et Jimmy ne voulait pas que l'histoire se répète. Il voulait prendre soin de sa santé, ne pas avoir de crise cardiaque lui aussi, afin de voir grandir ses enfants. Et lorsque Jimmy était à l'hôpital, les médecins ont rapidement trouvé la cause de la dégradation de son foie. En fait, Jimmy consommait des complément alimentaire de thé vert. Parce que Jimmy avait entendu que les compléments de thé vert pouvaient être très bons pour la santé cardiaque. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Jimmy et comment ne pas reproduire ce cas chez vous Petit rappel, dans le thé vert, on a des composants qui sont des antioxydants. C'est pour ça qu'on dit que consommer du thé vert, c'est très bon pour la santé. Parce que les antioxydants viennent lutter contre le stress oxydatif chose que j'aborde régulièrement sur ma chaîne, les composants oxydatifs viennent abîmer votre corps, les antioxydants viennent réagir avec les composants oxydatifs afin de protéger votre corps. Dans le thé vert, on a des antioxydants qui s'appellent des catéchines et un des plus présents c'est le GCG. Alors je vous rassure, les catéchines et le GCG sont en général sans aucun danger, il y en a dans l'alimentation, dans les fruits, dans les légumes, dans le thé vert et ça ne pose aucun problème. Cependant, lorsqu'elles sont consommées sous forme de compléments alimentaires la consommation de plus de 800 mg de catéchine par jour pourrait là commencer à poser des problèmes sérieux. Alors j'ai fait une recherche sur Google, hein, tout bêtement en tapant euh, complément thé vert, et je suis très rapidement tombé sur cette euh, annonce voilà, d'un site qui vend des compléments de thé vert, et là on se rend compte à quel point ça peut vite dégénérer. Chaque gélule contient 200 mg d'extrait de thé vert, dont la moitié de GCG, soit 100 mg de GCG par gélule. La posologie, c'est 3 gélules par jour donc. 300 mg de GCG. Et là, on se dit, allez, c'est bon pour le cœur, c'est que du thé vert, je vais tripler la dose journalière. Grosse erreur, en triplant la dose journalière, on arrive à 900 mg de GCG et on est clairement dans la zone rouge. Si ça arrive une seule fois, c'est pas très grave, mais si, comme Jimmy, vous en consommez plus tous les jours pendant plusieurs mois, et eh bien là, ça pose de gros, gros problèmes. Et vous pouvez déglinguer votre foie comme l'a fait Jimmy. Alors, il faut savoir qu'une tasse de thé vert, ça contient à peu près 90 mg de GCG. Et là, je parle des thés verts les plus concentrés, donc des cas vraiment extrêmes. Donc, ça veut dire que concrètement, il faudra consommer plus de 10 tasses de thé vert par jour, d'un thé très concentré, pour commencer à avoir des problèmes. Donc, 10 tasses, c'est énorme. En général, on est à 2-3 par jour, ce qui est complètement OK. Si vous avez une consommation de TVR normale, eh bien vous allez avoir les avantages sans les inconvénients, vous allez avoir les avantages des antioxydants qui vont être bénéfiques pour la santé. Oui, il faut continuer à consommer du thé vert, ça ne pose aucun problème, voire même c'est bon pour la santé. Par contre, si vous en surconsommez, si vous avez voilà une consommation de plus de 10 tasses par jour comme on a vu, là c'est problématique. Et c'est exactement pareil pour les compléments alimentaires, respectez bien la posologie de la boîte parfois on peut dépasser, ça peut arriver pour certains compléments alimentaires, mais certains sont vraiment vraiment euh, précis, il ne faut pas aller au-delà et c'est le cas des compléments de thé vert comme on l'a vu, une surconsommation sur le long terme peut détruire votre foie et nécessiter, eh bien comme le cas de Jimmy, une transplantation d'un nouveau foie. Le deuxième complément qui va venir abîmer votre foie sur le long terme si vous en surconsommez, c'est la vitamine A. La vitamine A qu'on appelle aussi le rétinol. La vitamine A se trouve essentiellement dans les aliments d'origine animale comme le jaune d'œuf, le beurre, la crème fraîche, le foie de poisson et les huiles qui en sont extraites. On trouve aussi la provitamine A qu'on appelle la caroténoïde qui se trouve dans certains végétaux comme les piments rouges, les carottes, les abricots, les épinards ou la pastèque. La vitamine A est utilisée en complément pour améliorer l'immunité, la vision nocturne, prévenir un déficit et traiter certaines maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis par exemple. Et là vous dites, bah en fait la vitamine A c'est juste une belle vitamine, ça ne pose aucun problème. Grosse erreur. Les apports journaliers recommandés de vitamine A sont d'à peu près 2000 UI. Par jour. Et chez les adultes, un surdosage arrive à peu près aux alentours de 10 000 UI par jour. Et la vitamine A devient toxique pour le corps à partir de 20 000 UI par jour. Voilà pourquoi la prise de compléments alimentaires de vitamine A. N'est pas recommandé, car de fortes doses de vitamine A sont toxiques pour le corps. En fait, dans le monde occidental, le cas de carence en vitamine A sont extrêmement rares. En fait, le foie justement sert de stockage de la vitamine A. Et si on ne consomme pas d'aliments riches en vitamine A pendant quelques jours, et eh bien ça ne pose aucun problème parce que le foie a ses réserves. Mais quand ces réserves débordent, et eh bien en fait ça devient... Toxique. En cas d'hypervitaminose, donc c'est-à-dire euh, surconsommation de vitamine A en l'occurrence ici, on peut avoir une hypertension localisée au niveau de la veine principale euh, qui alimente le foie. Cela peut aussi emmener une inflammation du foie qu'on appelle donc une hépatite, qui peut dégénérer sur une cirrhose, donc c'est-à-dire une dégradation complète du foie. La prise de compléments alimentaires de vitamine A ne doit se faire que dans le cadre médical, c'est que votre médecin qui peut vous prescrire de la vitamine A, n'en consommez pas vous-même de votre côté, ça ne sert pas à grand chose. Sachant qu'en général, les prescriptions médicales sont d'à peu près 5000 UI par jour, donc on est de toute façon sous le seuil à partir duquel ça commence à poser problème. Comme on dit souvent, c'est la dose qui fait le poison, donc attention, certains compléments alimentaires peuvent être très bénéfiques pour votre santé lorsqu'ils sont consommés normalement, mais un surdosage n'est jamais bon et peut emmener des gros problèmes de santé de votre côté. J'ai fait une vidéo récemment pour vous expliquer comment certains compléments alimentaires, justement, peuvent vous aider à perdre du poids. Si vous respectez bien, bien sûr, la posologie de ces compléments alimentaires. Si vous souhaitez découvrir cette vidéo pour avoir un petit coup de pouce pour perdre du poids grâce à certains compléments, eh bien, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va vous aider, en parallèle, bien sûr, d'une bonne alimentation. Certains compléments peuvent vous aider à perdre de la masse grasse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao